maintenant Patrick Chemin en solo. Yes. Alors j'ai été célèbre un quart d'heure dans les années 70. J'ai été célèbre un quart d'heure à la fin des années 90. Et actuellement, je vais être célèbre à peu près 20 minutes. Je voudrais te dire en un mot, comme le ciel semble s'élargir encore quand il contient tout l'amour que je te porte. Je voudrais marcher comme un sage dans la majesté et la solitude du désert pour te dire que chacun des grains de sable contient une infime partie de mon amour pour toi. Je voudrais toucher cette étoile à qui j'ai donné ton nom pour te dire que chaque étoile dans sa danse au travers de l'univers porte la voyelle des initiales de notre rencontre. Je voudrais traverser la mer avec les oiseaux et toucher les îles bienheureuses que sont la terre salée et la paix de ton corps. Mais je ne suis pas sage, et avant de dire un seul mot, ton baiser redonne au silence l'émerveillement et le bonheur des origines. Mon père, ton absence est comme une pierre. Je dois te parler avec mon cœur pour atteindre ton silence. Le cœur de la pierre est un lieu de lumière qui vibre. Mon père, te voilà isolé, défini par le tumulte du temps. Arrêtez, je te parle en secret, avec toute la pudeur que nécessite le respect de ton être. Je te parle sans attendre de réponse. La réponse est au fond de mon cœur. Si vous n'avez jamais été au Marais de Lavour, c'est vers Culot, c'est dans l'Ain. C'est un lieu vraiment magnifique, féerique. On y accède par Culose, par Césérieux. Et donc, un jour, j'ai été au Marais de Lavour et ça m'a donné envie d'écrire un poème pour les Marais de Lavour. Pose ta vie un moment près des iris sauvages du Marais. Demeure un instant dans le secret des arbres. Ne demande rien, n'attends rien. La patience de la terre est infinie. C'est un long murmure depuis la nuit des temps. Ta vie est une éternité, ne passe pas à côté. Parfois, la lenteur, parfois la précision du mot et l'humilité du chant, parfois le vent du soleil, parfois tout en haut des cimes de l'imaginaire, parfois dans l'abîme du trop, et des impasses de la pensée obsédante, ton petit caillou, pose-le sur ton cœur, respire, ta vie est une éternité, ne passe pas à côté. Dans 3 semaines, mon nouveau livre va sortir et en exclusivité mondiale à Kège. C'est vrai, je n'ai jamais encore eu le plaisir de lire un texte de ce nouveau livre, donc il n'est pas sorti. Donc, en exclusivité mondiale, on retiendra la date et le lieu. Je vais vous dire un extrait de mon prochain livre. Je t'aime pour ne pas mourir, ne pas tomber. Je n'ai pas le droit de t'aimer. Je suis les 1000 pierres ébréchées dans la main des géants qui dictent depuis la nuit des temps le crescendo de la fin. Je suis la densité fiévreuse, le tempo des embolies. Je passe le pont chaque jour, je regarde en bas, imaginant l'impact. Je suis attiré par le vide et j'ai peur. Je t'aime parce que tu es entré dans ma vie avec infiniment de délicatesse et de gentillesse. La terre des enfances que j'ai traversée bien souvent était celle des punitions et du tourment. Je redoutais la parole blessée et la mer des abandons. Je t'aime comme un petit vent sur les collines de Toscane. Je t'aime comme tout ce que j'imagine du voyage. Éveillé, un jour d'été, à 5 heures du matin, au bord de la mer, près de Carrare. Je t'aime
comme la libellule gracieuse qui délivre la prophétie de l'étang. Je t'aime comme j'ai aimé écrire la passacaille de mes livres, la chaconne des mots. Je t'aime, le temps est court devant moi, comme un petit homme tout en bas du bourg. Je t'aime comme j'aurais dû aimer le passé quand il était dans les fondations de l'instant présent. Je t'aime pour tout le temps que j'ai perdu irrémédiablement. Je t'aime pour le corps que je n'ai pas eu, pour ceux que je n'ai pas habités. Je t'aime pour ces femmes qui étaient la lisière, la clairière et le puits. Je t'aime pour ces fenêtres à haute bise, il y a un millénaire, quand j'avais encore le droit d'être un amant, avant de tomber dans le jeu des chaises musicales. Je t'aime comme l'univers connaît son terme. Je t'aime simplement parce que tu es là, sous les étoiles manquantes, le témoin du ciel et de son unité. Bravo! Et Patrick, j'ai le plaisir de t'offrir le texte pour le Festival du Livre. Écoute, je suis très touché. Merci. Encore un petit. Excuse-moi, j'avais chronométré 10 minutes. Vas-y. C'est ça, les pros, ils sont chiants. J'ai séjourné, j'ai fait une overdose de tiramisu. Donc, ce qui m'a valu le droit de séjourner au CHU de Chambéry, à l'hôpital de Chambéry. J'adore le tiramisu. Il a fallu que je rompe avec lui. C'est une rupture très, très difficile. Et donc, pendant que j'étais à l'hôpital de Chambéry, j'ai rencontré des êtres formidables qui sont les infirmières de nuit de l'hôpital, qui venaient me piquer toutes les nuits. Et j'ai voulu écrire un hommage à toutes les infirmières de nuit. Coralie, c'est l'infirmière de nuit. Elle a sans doute un petit garçon qui est Patraque. C'est pourquoi elle vient piquer Patrick toute la nuit. Margot vient te réveiller. « Monsieur Chemin, vous avez bien dormi ?» Je ne peux lui dire pour Coralie. Dans le bâtiment un peu plus bas, il y a un enfant qui naît. Il s'appellera Hugo ou Lucas. Il vient au jour dans la nuit de septembre. Un beau petit garçon. Le monsieur dans la chambre fait ses prières plusieurs fois par jour. Dieu, c'est un long séjour. Un signe à l'intérieur de moi que j'ignorais depuis si longtemps, me dit de rester vivant. En fait, il n'y a rien de plus important que d'entendre la voix de Vanessa qui me dit « Monsieur Chemin, restez avec nous. » Il y a aussi Lucille et Virginie qui courent dans la nuit à l'autre bout du bâtiment. Un vieil homme meurt qui se souvient des truites de son village au pied des aiguilles d'Arves, si loin de la ville et de ses soucis, de ses finitudes, de ses solitudes. Un hôpital, c'est un peu le manuscrit croisé de toutes les vies. Mais Coralie, c'est l'infirmière de nuit qui sourit.